Gen 5 créateurs haïtiens. Bonjour. What's up guys? Comment est tout le monde? Qui met ensemble pour réaliser une vidéo pour répondre une question nous poser en pile. À qui caméra pour commencer dans photographie et vidéographie. Mais comment bagay la pral dérouler? Dans 5 créateurs ça yo, nous chaque nous choisi une caméra pour nous parler de lui. Nous recommandons une caméra ou ka acheter en 2023. Et caméra ça li pas dépasser $1,000 américains. Eh bien, on regarde ensemble qui caméra premier créateur pour le présenter. N'a commencer avec Woodgraphy. Yo yo, what's up guys? Bienvenue sur channel ça. Non, c'est pas channel Pamda, c'est channel Spa. Moi content sur channel Spa côté que li invité me parler de rubrique parce que une collaboration côté un pile créateur de contenu a fait côté là-dedans qui gagne technologie en créole, gagne Mr. Wassal, gagne Tony Touch. Et parce que gagne l'autre toujours. Je dis à la vidéo ça côté chaque fois choisi une caméra. Je dis bon, liste caméra pour me parler de caméra ça. Of course, nous connaissons déjà yes, Canon, Team Canon lié forever. M'a dit forever. Yes, je vais vous parler un peu de Canon 10 là. Il y a une entrée de gamme de Canon qui est vraiment intéressant que je pense que si vous pensez en tant que créateur de contenu ou qu'à acheter. Mais, par exemple, un petit virgule là-dedans. Donc, so, vous voyez, vous prenez une caméra, ça, c'est capacité pour faire photo. Yes, son bon caméra pour faire photo. Of course, c'est APS-C, ok? Pas oublier, sensor, son sensor APS-C, son crop sensor, sous un format qui full frame, un sensor qui full frame, donc sensor full frame, sensor à pilage que APS-C a, so keep in mind, sensor à 24 mégapixels dans la caméra, ça, qui vraiment intéressant, ou à pour un bon genre qualité photo et un résultat dans photo, moi personnellement, moi, utiliser APS-C. Un bon bout de temps, fait plus que 4 ans à faire photo avec APS-C, ok? Ce so, sont vraiment bons points parce que vous avez 24 mégapixels ou café wide avec photo, vous avez fait photo pour social media, vous avez fait photo même pour billboard. So, en termes de photo, en termes d'autofocus, tout, pour faire photo, Canon bien géré ça, m'a gagné pour me dire ça. So, si c'est seulement photographe ou il y a besoin de caméra faire photo, ben c'est là où vous gagnez option. So, sans réfléchir, mettre la go dans Canon R10 là. Deuxième aspect pour équiper un petit peu deep, c'est partie vidéo. Ok, dans vidéo, nous avons plusieurs formats. Nous avons 1080p, Coca Record, qui a largement suffisant pour un pile monde. Après, nous avons 4K, Coca Record tout là-dedans, qui résultat vidéo 4K sur Canon R10 là, vraiment intéressant. Actuellement, je fais mes vidéos avant Canon R6. À part de C-Log 3 que Canon R10 là, pas gagné, but guys, bon bagay, ou ka filmé 4K 24 FPS, ou ka filmé 4K 30, 4K 60 pour slow motion, à une seule condition que vous avez un petit crop encore dans le footage. So, en termes de vidéo, je pense que c'est un format vraiment intéressant pour nous penser pour Canon 10 là. Dans la partie vidéo encore, autofocus est vraiment intéressant. Il n'est pas rapide, bon genre rapide, même avec Canon R5, R6, R6 Mark II. Yo. Mais autofocus a vraiment good. Ou ka toujours regarder une vidéo qui parle plus sur ça parce que actuellement pas une caméra nan même là pour montrer nous quelques exemple de test que me fait. Mais à par rapport à ça que un pile créateur de contenu posté sur social media c'est tout Paco Elberg, c'est tout DSLR video shooter. Canon R10 là vraiment intéressant en termes d'autofocus. Et puis tout le bagage qui est vraiment intéressant dans Canon R10 là, c'est qu'il prend mount RF. Donc toute lens soit mettre sur le cas RF. Comme ça, tout le cas choisi, acheter un adapteur RF tout EF pour mettre sur son Canon user, ou bien l'autre lens EF que vous voulez utiliser, ou acheter un adapteur pour juste convertir lens RF en EF. En termes de autofocus, comme si perte d'autofocus, m'a pas de problème du tout parce que actuellement m'a pas utilisé un adapteur sur Canon moyen là avec un 470 pour filmer vidéo ça, autofocus c'est toujours bon. On peut s'y mettre même devant caméra là, la faire focus même et le mettre même la faire focus rapidement sous yeux, vraiment intéressant. Et puis tout en termes de lens, ça t'a conseillé nous pour nous finir la vidéo ça parce que m'a pas trop long. Ça t'a conseillé nous sur acheter Canon R10 là c'est acheter body à seulement qui a coûté environ $900 et puis après ça on a investi dans deux lens qui c'est RF 16 mm là qui est vraiment intéressant qui autofocus là vraiment good là-dedans avec 50 mm là 1.8 là. Moi pas conseiller acheter Canon ça Canon R10 là avec kit lens là au bail là.
parce que kit lens là pas vraiment baou assez pour fonctionner. Si vous voulez lancer vraiment dans créer contenu, ben si vous voulez vraiment lancer ou dans faire photo professionnel. OK, donc c'est acheter caméra body et puis les fini acheter lens sur after. Si vous voulez acheter body avec toute lens kit là, no problème, mais mettez en tête que ou pas acheter yon 16 mm ou 50 mm whatever l'autre lens vous voulez pour accompagner avec caméra ça pour qu'a gagner un plus bon rendu, pour qu'a gagner un plus bon de qualité dans travail ou faire en termes de photo ou bien vidéo. Voilà guys, c'est cette vidéo ça, j'espère que nous satisfait, j'espère que l'autre monsieur a satisfait tout et j'espère que pas satisfait. C'est un plaisir pour sur channel brother et continuer travail faire, me regarder vidéo yo en passant very nice set, moi merci toi en pile guys. Brother et puis n'apprenons dans l'autre vidéo, pas oublier sous les garder vidéo sur channel pam nan main channel moi c'est Oude Lozama et sous les garder vlog tout ça qui a rapport avec contenu haïtien c'est Oude Lozama vlog que ou ka regarder on pense c'est pas écrit dans la description mais j'en ouais là c'est ça oui ou ka regarder et puis n'apprenons sur channel pam nan à l'abonner et puis les finir petite promotion hein. Yeah bon ça so guys c'était cette vidéo là so m'inspirer nous en forme et puis n'apprenons dans l'autre vidéo ciao. Prochain créateur, c'est créateur qui collabore ensemble avec plus sur channel ça. Peut-être dans carrière même en tant que créateur contenu. Eh bien, on continue ensemble avec Tony Touch. Comment est tout le monde? Moi c'est Tony Touch, créateur de contenu, filmmaker et puis c'est quoi cette vidéo? Comment est tout le monde? Moi c'est Tony Touch, photographe, filmmaker, créateur de contenu. Jodi a m'gal parler nous de on caméra côté que ou ka jwenn à moins que 1000 dollars. Que n'importe débutant, n'importe monde qui a commencé dans photographie ou bien dans vidéographie pour année 2023 ou qu'a acheté. Lycée Canon M50 Mark II. M50 Mark II c'est une mirrorless Canon qui c'est mirrorless même genre avec EOS R là. Bien entendu, il n'est pas full frame, faut bien dire nous sont APS-C. Ce qui veut dire sensor PPT. S'il vous plaît. Li pas au micro 4 tiers mais moi même tout me dépenser ton micro 4 tiers mais après recherche et puis après achat moi vinn wè que li pas au micro 4 tiers et sensor pas petit sensor assez grand pour ka faire bon photo et c'est une raison qui fait tout moi même moi prend pour me parler de li dans vidéo jodi a la. Normalement li vini avec un kit lens. Kit lens pa la son 15-45 côté que à moins que 1000 dollars ou tout joindre avec lens. Mais faut bien dire nous Canon M50 Mark II a li même Lip gen ling lens pal qui c'est EFM même genre avec l'autre qui c'est EF EFS surtout pour APS-C yo mais li même li gen EFM qui pas problème pour qui ça parce que ou ka acheté un adapteur tant que ça OK et puis ou gagnel pour mettre ou ka mettre toute l'autre lens Canon EF yo pour monter sous EFM là sans problème. En termes de size son caméra qui extrêmement petit 387 grammes ou ka mette l n'importe côté ou ka bouger avec pour aller n'importe côté li pa encombrant sou rale dans la rue moun pa pral gete courir même genre avec 6D Mark II ça là que m'a shooté à là côté que depuis me rale dans la rue tout moun gete a barre figure juste parce que ouais son caméra son petit caméra bien simple bien léger ou fourrel dans poche ou fourrel dans poche valise et puis s'entendé à toute bagaille correct. M50 Mark II a li shooté 1080p à 60 frames par seconde. Li shooté 4K tout. Mais attention, 4K par là li shooté jusqu'à 23 frames par seconde. Et bon petit problème tout petit dans 4K, c'est que li même là, li crop. L'aime du crop là, li fermé, li coupé. Qui pas trop problème, ça va dépendre de gens ou bien ça va dépendre de pour qui ça ou pour l'utiliser 4K. Li gon super belle qualité en 4K. Tout simplement, on fait bail là qui plus simple. Ou besoin prendre un angle pilage, soit ou acheter lens qui gagne angle pilage ou bien ou faire ça qui plus simple ou font petit bac pour ka joindre plus rapide. Li wireless, li bluetooth, USB-C, li touchscreen, so ou ap à l'aise ensemble avec. Et une nan bagay que m reme dans M50 Mark II c'est que ou ka utiliser comme webcam. Ou après, vous download une application sur le site Canon qui relie EOS webcam. Et puis, vous entendez à toute caméra Canon, y compris M50 Mark II, là, vous pouvez utiliser pour webcam. Soit pour Zoom, soit pour n'importe vidéo call, soit pour Google Meet, ou bien n'importe sorte d'envie, ou bien live Facebook, tout, par exemple. Plusieurs fois, moi, je fais ça. Regardez live Facebook que je fais, c'est une raison que je fais live Facebook, moi, clean, comme ça. C'est parce que moi-même, moi, utilise une caméra professionnelle, juste pour faire live, grâce à l'application, ça, qui est EOS Webcam.
So, c'était moi-même Tony Touch, m'espère que jodi a moi apprendre nous de on caméra côté que à moins que $1,000 ou ap gen tan gen lens la dan, ou ap gen belle qualité image la dan et ou ka commencer bien rapide. Pour qui ça me choisi caméra ça à moins que $1,000 c'est parce que premièrement li pas sorti longtemps, deuxièmement il léger, mais troisièmement tout, me pense que en 2023 pour une caméra qui gen 2 ans de yo, li ont assez bon investissement. Pour qui ça? Parce que son caméra, avant ou traverser nos caméras qui beaucoup plus professionnel, ou ka fait 1 an, 2 ans, 3 ans toujours, a frappé ensemble avec et la bon belle qualité image parce que li gen pile dans nouveau technologie Canon yo qui existait là-dedans jusqu'à présent. So, c'est de moi même Tony Touch. Malé, bye bye, dans l'autre vidéo. Quand elle a passé avec yon moun, en pile nous connaît déjà, li toujours fait de très belles vidéos qui c'est technologie en créole. Sophia, jouet pou. Bonjour, bonsoir tout le monde. Sophia Bruni Jasmine rentre la caillou avec une caméra que je suis capable de recommander pour l'année 2023 ça sur le domaine vidéo et photographie si vous commencez. Li pa l'autre que Canon RP. Je ne vais pas dire parce que je suis un Canon. Et pas ça seulement. Mais je vais quelques raisons qui fait moi capable de recommander une caméra ça. Tout coûte. Pour un bagage là, pas l'autre que Priya, nous sommes déjà en bas $1,000. Si vous avez acheté le sans lens, vous pouvez jouer dans quelques retail pour $888 conseil. Si vous avez trop, Amazon qui gagne la pire prix passe ça. Comme ça, vous pouvez acheter le deuxième maintenant, mon monde qui a gagné déjà, qui prend le cap update, ou capable de jouer pour n'importe 700 et pour jouer à lens tout pour $1,000. Donc, il n'y a pas un mauvais deal. Et deuxième raison, ma baoua, c'est taille-là. Moi, mes taille-là en pile. Parce que son petit caméra qui est vraiment petit. Donc, à cause que taille-là petit, ou capable de vlog ensemble avec elle, mon pas formal. Et, ou connaît ligne R-là, son ligne, côté que li prend lens pal, qui c'est lens RF. Yo. Donc, ça veut dire, si vous avez un Canon EF déjà, ou pouvez juste acheter un adapteur et pour mettre là-dedans, et puis boum. Ou capable d'utiliser le comme ça. Et non seulement ça tout, Canon RPA, malgré elle petit, li c'est un full frame caméra qui en bas $1,000 mes amis. En plus de ça, Canon RPA ou capable de shoot vidéo, ou capable de shoot photo. Pour photo, il gagne 26 mégapixels, pour vidéo, ou capable shoot 1080 23.98 frames par seconde et puis ou capable shoot 4K tout. Mais 4K a gagne un crop sensor là-dedans de 1.76, balle de côté li bon pour moi, mais il doit pas bon pour moi toujours shoot 1080. Dernière raison ma baou c'est que li gen clean HDMI output. Ou konnen focus en pile sur question live streaming. Donc ça veut dire que l'on ap live ensemble avec ou pas pour tout paramètre yo paraît la bon clean HDMI output. Donc là c'est ça que me dit tout à l'heure là moi même faut qu'il a pas dérangé si mettons lens 50 mm là-dedans moi veux arriver plus loin. Moi juste activer 4K parce que le gain en crop sensor 1.76 la donne. Son caméra sous acheté en 2023 ça ou pas perdu parce que l'ovin gain crop pour update dans l'autre caméra, li capable vinn servir second caméra ou bien l'ovin gain crop encore pour update de second caméra, li capable vinn utiliser en troisième caméra pour jusqu'à ce que vous vendez. Donc ou pas perdu avec Canon RPA sous acheté kounya la. Si conseil moi pour sou gen question tout, pas hésiter fait nous connaître, nous te content avoir aujourd'hui a. Bye bye. Prochain créateur ça gon parti ou arriver dans vidéo par là son seul bagay ou di. Maman fouin. Maman. Et c'est comme ça me te réagir tout. Ladies and gentlemen, Mr. Wasal. Bonjour, bonsoir, ça parle de mon qui regarde vidéo. Une question que un pile monde pose depuis que j'ai commencé à faire bagay filmmaking avec photographie ça, c'est qui caméra selon moi-même qu'on monde t'a supposé acheter pour commencer qui non prix raisonnable. C'est question ça que nous va laisser répondre. Qu'est bien tête tout que caméra ça que me choisir, c'est caméra selon moi-même moi penser que on monde t'a supposé commencer. Information que me balba ou de caméra pour déterminer est-ce que ou même ou confortable pour acheter. Caméra ça que me choisir, c'est une caméra que me penser qui parle aider un monde déterminer est-ce que c'est vidéo ou bien photo que les plus focus ou bien est-ce que c'est tous les deux que le fait. Caméra que je choisis c'est Lumix G7 là. Que bien t'es tout que me commencer avec caméra ça surtout sous bagay YouTube ça. So quelque part mon petit Jean vendeur de caméra ça. Pas dans sens du terme pour me dire que mon petit j'ai une préférence pour caméra ça. On parle pour qui ça que caméra ça t'a supposé dans les sous si que vous voulez acheter une caméra pour entrer dans vidéographie ou bien photographie. Caméra ça moi quoi il a gagné 5 ans quoi qui est sorti depuis 2018 ou 2019 mais malgré tout le temps ça depuis sorti hein, il est arrivé mettre 4K
nan kamera sa. Sa deja son gros deal. An etale ki sa ki bon selon moi même nan kamera sa. Premièrement, kamera sa son kamera 16 mégapixels. Pa konfon nou, 16 mégapixels sa très puissant. An pale de sensor. Sensor ki lan sa son sensor photon. Mba pale rentre nan term lan, but mka explique so. Image kwa ap gade ya la m ap filme sou on sensor full frame. Photon lan donc si j'ai un crop sous t'as utilisé caméra ça là ou t'as si j'ai un zoom comme ça parce que sensor on dit un PBT que soit regardé à mais n'empêche que la fait travail en bien si caméra ça peut-être lui qu'a filmé 4K 30 frames par seconde. Ce qu'on a besoin, fait ce slow motion, nous, bien sûr, faut qu'il y ait dans la tête, il n'y a pas une caméra grandiose, so, il n'y a pas le fait 120 frames par seconde, mais il y a une possibilité pour faire 60 frames par seconde dans HD. Aussi, il y a une possibilité pour ralentir l'appétit. Soit pas acheter là avec lens que Levin avait là, kit lens là, lens a son lens 14 mm par 42 mm. Mais, étant donné qu'on a un crop, 14 mm ça a multiplié par 1.4. On fait mathématiques là, malgré que le bilan dans ça c'est tout avant elle là que me découvrir que les cafés raw photo avec 16 mégapixels là depuis environnement là bien allumé et puis setting parfait la bon qualité image et moi essayer caméra ça dans des situations côté luminosité en pas bon du tout moi style joine on 7 sur 10 résultat surtout dans l'image. Une chose qui impressionne la caméra ça c'est autofocus le gain. Il pas qu'à détecter figure mais il détecte géo. Surtout sur une belle distance entre vous même avec sujet, il fait assez bien. Après l'autre résolution qu'il gagne, il y a un flash. Moi même personnellement pas utiliser flash ça tellement parce que flash n'est pas tellement puissant que ça, mais sur l'environnement que vous voulez faire un petit shoot bien rapide, flash la bédo. À toutes les petits sensors ça au style gain 8 bits couleur dans caméra ça. Au style gain capacité pour manœuvrer couleur qui sont dans caméra ça par exemple j'ai monté nous là malgré li ancien comme ça ou s'il gagne connexion wireless avec wifi sur les soca connecté téléphone ou avec dans pile website je dis que battery life là pas bon but pour moi batterie ça me charger chaque 2-3 semaines une bagaille qu'on pas gagner de caméra ça c'est quantité technologie avec qualité image que le baou ou prix que qu'on a encore acheter là en un moment là si vous voulez acheter le tout neuf li nan 500 combien dollars c'était mieux soit ça si vous gaz next video. Peace. Si vous avez plus d'informations sur la caméra, allez sur le channel Mr. Wassal. Là, vous avez une vidéo qui est plus longue, qui va plus de détails sur la caméra Lumix G7. Je pense que c'est tout pour moi. Ça a fait toute légende. Moi-même, la caméra m'a recommandé la Sony ZV-E10 ou bien encore Sony ZV-E10. Pour qui ça m'a recommandé la caméra? Première raison, nous allons aller directement dans la caméra parce que c'est plus intéressant là, qui c'est prix caméra ça. Li vend seulement $798. $798 ça y a tout bon ensemble avec kit lens lan qui c'est un lens 16 à 50 mm et sous pas acheter l'ensemble avec kit lens lan la coûte seulement $698. Ici une caméra APS-C, ça veut dire qu'on sensor APS-C. Si une caméra qui fait ni photo ni vidéo ensemble avec lui tout, il gagne 24 mégapixels et puis on peut shooter en 4K, on peut shooter à 1080p et puis on peut shooter tout en slow motion. Li gagne option SNQ mode Sony. SNQ veut dire slow and quick, ça veut dire on peut shooter à 1080p à 120 frames par seconde. Tant pour ça. Il y a un flip out screen, ça veut dire qu'il est très adapté pour faire un vlog ensemble avec le côté où on peut garder tête tout. Mais au niveau stabilisation, c'est pas fin, ok net. Et si vous êtes qui toujours chercher effet flou dans l'arrière-plan, et bien caméra ça, c'est pour le fait même. Parce qu'il y a tout un bouton ou un pesel et pour toujours un effet arrière-plan flou. Il y a un mode là dans qui est le product showcase qui ça veut dire ce sont les gens qui peuvent utiliser caméra ça pour capable faire live pour capable faire vidéo que tu vas montrer produit et bien leur activer mode ça leur montrer produit à on y place devant caméra et puis automatiquement il focus sous produit. Gen pile nan nou tout les nous acheter une caméra, nous tout voulons jouer une option pour nous faire live ensemble avec. Ou bien pour utiliser le tant que caméra principale soit fait yon zoom. Et bien caméra Sony ZV-E10 nan, c'est une caméra débutant idéal pour faire ça. On y acheter câble qui est adapté pour faire live ensemble avec caméra ça et bien y connecter sur ordinateur ou ka live vraiment très facile, il pas demander pour installer aucune application sur ordinateur. Et puis tout li gen même système lens ou bien trou pour mettre lens dans caméra, c'est même système ça ensemble avec un pilote caméra Sony, un système qui aurait les imam, ça veut dire l'on fait acheter caméra ça, c'est après 6 mois, après 1 an on vient acheter un plus bon lens, on vient en pile variété lens
ou ap ka acheter. Gen pile caméra qui pa ka filmer pour plus passer 30 minutes, et bien caméra ça Sony ZV-E10 nan li même li pa gen aucun temps limite enregistrement. Sauf que m pa konn si l'ap chauffer, l'ap camper jusqu'à ce que batterie ou décharge. Et batterie ça li vraiment très performant, l'elle full charge li capable ba ou jusqu'à 120 minutes vidéo et puis 440 photos. En pile fois tout, lorsqu'on caméra nan men ou ap filmer ou pas même rendre compte que ou ap filmer, et bien caméra ça a les gonti option la dan qui très intéressant. Lorsqu'on ap enregistrer vidéo, gen un gros cadran rouge qui paraît dans écran comme ça ou toujours konnen lorsqu'on ap enregistrer. Mais si vous avez une vidéo ça et gen pile autre caméra tout n'te ka recommandé ou tant pour Sony ZV-1, Sony ZV-1F, Nikon Z30 avec en pile autre caméra encore. Konnen la m gen deux questions pour vous. D'après vous même, quelle autre caméra vous pensez que vous êtes capable de mettre dans la liste encore? Et puis finalement, quelle caméra vous pensez que vous pourrez l'acheter? Vous pouvez jouer toutes les caméras en bas dans la description de la vidéo. Je vous pour vous connaître. Je voulais prendre le temps pour remercier chaque créateur qui collabore ensemble avec moi sur la vidéo. Wood Graphic, Tony Touch, Technologie en créole avec Mr. Wassal. Vous prenez le temps pour vous préparer, filmer et puis éditer vidéo pa yo. Gan pile nan yo ki gen caméra yo recommande ou la et puis gan pile nan yo tout ki pa gen caméra. Ça veut dire prendre temps pour y aller faire recherche, et chercher pour qui pi bon caméra yo capable recommande ou pour démarrer nan photographie ak vidéographie. C'est une question posée en pile et me penser yo bien répondre li pour. Pas négliger à abonner à channel créateur ça yo, a besoin bon gen qualité contenu. Ça ou toujours penser qui pa existe sur internet là un bien créateur ça yo, c'est bon bagaille seulement yo produit. Ou ap jwenn tout lien channel créateur sa yo en bas dans description vidéo ça. Ou capable même pose vidéo ça konya la pour aller faire ça. Tellement ça important. Mais content l'aime découvrir créateur ça qui font travail extraordinaire dans domaine nan, mais toujours prend plaisir garder yo. Qui donc m'a invité ou à regarder yo tout et me rete quoi ou prend pile plaisir. Nous t'a demandé pour contenu qualité, eh bien vous êtes servi. Ciao.